grosse polémique qui pour moi n'en est pas une mais que voulez-vous les gens ont, ont la curiosité mal placée voire euh, même euh, des comportements déplacés vis-à-vis -vis de euh, l'intimité des gens vis-à-vis -vis de leur vie euh, tout simplement. Vous voulez échanger vos skins Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalexCSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35 de bonus à propos de Simple qui risque potentiellement un ban. Voilà parce que euh, on parle de account sharing donc c'est le, le fait de de laisser son compte à quelqu'un et jouer dessus, c'est totalement interdit. Voilà, en tout cas, c'est ce que lui euh, a décidé de donner comme version. Voici le screen de ses euh, dernières games, par exemple, sur Faceit, et vous pouvez voir qu'il y a une irrégularité euh, très prononcée avec euh, des games à 31 kills, 25 kills, et puis des games comme, comme là, vous voyez, à 6 kills et 16 morts, avec donc des 0,30 de rating, euh, des 0,60 de rating, ce genre de choses. Et donc, en gros, euh, vous connaissez la communauté. Hein, les gens euh, extrêmement toxiques qui prient pour le malheur des gens et, euh, et leur déchéance, voilà, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et bien, sachez qu'ils ont pris des screens en fait de sa vie en fait sur Counter-Strike à l'heure actuelle et qui disent Ah là, il est devenu pourri, il est éclaté au sous-sol, il fait des games à 6 kills et ce genre de choses. Monsieur Simple, et vraiment, on parle d'un du, mec qui a décidé de faire une vidéo YouTube, donc dans la, dans la, dans la communauté russophone, qui a fait vraiment des. Des, des centaines de milliers de vues et ce genre de choses, et des dizaines de milliers de commentaires. Voilà, parce que ça a été repris euh, partout. C'est pour ça que même que j'en parle aujourd'hui, parce que vraiment c'est un, un sujet qui me déplaît fortement. Et euh, Simple a dit euh, je donne mon, 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 mon PC à des amis, euh, j'ai pas de souci avec ça. Ils viennent, ils jouent sur mon PC, ils font une game félicite sur mon compte. Et donc c'est pour ça que euh, j'ai des games aussi irrégulières et ce genre de choses. Ça soulève deux problèmes. Le problème, déjà, de, de la transgression des règles, parce qu'on n'a pas le droit de, de laisser quelqu'un jouer sur son compte. Voilà. Mais c'est surtout à l'effet inverse en fait. C'est si un noob donne son compte à un joueur pro et que ce joueur pro le qualifie à un machin. Voilà, moi je vous le dis, je vous le regarde dans les yeux et je peux vous affirmer et vous confirmer à 3 milliards de pourcents, et là je mets ma parole en jeu, qu'il y a des joueurs pro euh, pendant ces 10 dernières années, 15 dernières années de Counter-Strike qui ont joué sur les comptes de leurs meufs par exemple et qui les ont qualifiés à des tournois très prestigieux. Euh, quand ça n'allait pas trop, hein, euh, voilà par exemple. Je ne suis pas là pour donner des blazes ou quoi que ce soit, de toute façon il faut des preuves pour ça. Et, Et j'en ai pas. Mais sachez que c'est arrivé, je veux vous le garantir. Ça par exemple, c'est interdit. Euh, imaginez que moi je sois éclaté au sous-sol, mon pote, euh, voilà, saisis-vous, saisi où ah, sais Viens mon frérot, lâchez une petite game sur mon compte, tu me qualifies en FPL, bla, 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 bla. Ça, c'est interdit. Mais l'effet inverse ou euh, je sais pas moi j'ai des potes ils viennent à la maison euh, je leur laisse mon compte ils vont sur Facebook, je me fais péter la gueule j'ai 0,2 de rating tout le monde va se foutre de moi je m'en fiche. Donc vous voyez la transgression des règles sur le account sharing bah je sais pas euh, dans ce cas-là en tout cas je trouve pas ça problématique. C'est pas que je protège Simple, je suis fan de lui ou quoi que ce soit, mais en gros euh, ça soulève pas un problème euh, non plus euh, rocambolesque. Néanmoins euh, donc les deux problèmes c'est quoi c'est que bah, moi je trouve qu'il y a de la curiosité mal placée s'il y a le count sharing est-ce qu'il risque un ban euh, oui en tout cas dans les règles est-ce qu'il peut être ban euh, oui dans les règles, est-ce qu'il va être ban ça je ne sais pas, il y a des gens qui disent que Faceit le protège parce que normalement il aurait dû être ban il y a des gens qui disent que c'est une fausse excuse et qu'il est rincé au sous-sol euh, parce qu'il fait des games à 0.16 de rating alors qu'avant il était à 30 kills tout le temps ouais, je vous donne quand même euh, encore une fois le petit screen de ces, de ces games 31 kills, 48 kills, 21, 19, euh, 31, 25, 30, il est pas naze euh, le frérot, on va pas se mentir, il fait des games en FPL où il est encore à 30 kills, mais euh, oui on attend son retour et ce genre de choses, mais moi ce qui me dérange, dans, dans, dans ce sujet là en fait, ce qui me dérange fortement, c'est la curiosité des gens en fait, de, de s'immiscer dans l'intimité de, 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 de la vie des personnes, euh, euh, je sais pas, ils s'ennuient, travaillent pas, ils ont pas de famille. Je, je comprends pas en fait comment les gens peuvent aller épier un peu tout ça. Euh, moi qui fais de l'actu, c'est paradoxal parce que je parle de la vie en fait des personnes, mais je le fais euh, euh, parce que c'est mon travail, parce que j'apprécie en fait parler de CS. Et il y a des sujets dans lesquels je vais jamais parce que je trouve que ça, ça sort du cadre entre guillemets sportif. Et, euh, et donc, bah, moi je trouve ça hyper désagréable. Et en tout cas, l'histoire de account sharing, moi pour le coup. Dans cette situation-là, ça m'est égal. Voilà, bon, sachez-le. Donc j'attends un peu vos avis sur ce sujet-là. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer avec 3D Max, nous sommes officiellement qualifiés invité pour le prochain Major en Chine à Shanghai, qui aura lieu à Shanghai, pour le RMR, la qualification finale, le dernier rempart pour se qualifier au Major et donc avoir les stickers. Il y a des gens qui m'ont dit, ah c'est bon, on va avoir les stickers, on a vu l'annonce, etc. sur HLTV. Non, il y a le RMR, c'est le dernier SAS pour se qualifier justement au Major avec les équipes qui auront donc le ticket euh, final. Mais euh, nous y sommes parce qu'il fallait être en fait dans le top. 16 des meilleures équipes et euh, nous sommes euh, 12e. Voilà, nous sommes 12e à l'heure actuelle euh, au classement Europe. Donc c'est euh, assez exceptionnel. Donc euh, voici les équipes qualifiées pour le RMR à Shanghai, qui aura lieu donc. Euh, les, le RMR aura lieu à Shanghai, en Chine. Euh, je ne sais pas si je, serai, euh, si je ferai partie euh, de, 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 du, du déplacement. Ça fait plusieurs déplacements que l'équipe fait euh, sans moi, etc. Manque de, 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 de moyens, ça ne dépend pas de moi, c'est le CEO qui doit débloquer des budgets pour moi aussi me faire déplacer. J'ai fait des vlogs avec 3D Max, mais c'était à mes frais, ce genre de choses. Et malheureusement, des gros voyages comme ça, c'est beaucoup de frais et je ne pourrais pas forcément y aller, même si ça serait incroyable de pouvoir aller en Chine et de suivre euh, l'équipe et de vivre cette, euh, cette expérience avec, euh, avec eux et avec vous pour vous la partager ensuite. Voilà. C'est pareil pour euh, le site internet, euh, le maillot. Je sais qu'on attend beaucoup de choses, mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Donc, euh, je, je, je m'excuse par avance de, de ces manquements à nos obligations, euh, je pense. Voici euh, les équipes donc qualifiées pour euh, le classement Europe, comme vous pouvez voir. 3D Max ont fait partie, eh bien, de, de ce wagon. Ça fait euh, extrêmement plaisir. Vitality y est aussi euh, euh, avec des représentants français, mais également Fnatic. Fnatic avec Bodhi et Afro qui sont nos représentants français dessus. Est-ce qu'on peut compter aussi Eternal Fire Moi je pense que oui, avec Major qui est euh, franco-turc et qui a évolué pendant plus de 15 ans sur la scène française, qui parle français, que j'apprécie énormément aussi, que j'embrasse très fort et à qui je souhaite beaucoup de succès encore une fois avec cette équipe turque qui nous ont fait extrêmement kiffer lors du dernier Major, euh, je vous le rappelle, à Copenhague. Et euh, bien évidemment, l'objectif, ça va être de se qualifier euh, au Major. Et il y a le Closet Qualifier pour aller euh, prendre encore quelques petits tickets pour... Les slots européens, et vous voyez qu'il y a du beau monde. Côté il euh, y a Liquid, il y a Furia, voilà, les plus grosses équipes sont au rendez-vous. On va pas se cacher que côté euh, nord-américain, c'est plutôt facile euh, d'obtenir en tout cas ces slots. Donc il euh, n'y a pas de problème pour euh, les grosses écuries, Complexity et ce genre de choses. Euh, côté euh, Asie, euh, pour ceux que ça intéresse, qui est, je pense, une scène qui renaît un peu de ses cendres et qui est ultra compétitive, qui devient en tout cas de plus en plus compétitive, euh, les trois équipes qu'il euh, qui y aura avec euh, encore des slots à l'échelle. Chercher pour le closet qualifier, même si je trouve que c'est pas trop, trop, trop représentatif, à part pour euh, Rooster, qui est une écurie qu'on connaît, mais le reste, franchement, c'est pas, pas dingue. Eh bien, on a Mongols, on a l'Invision, l'équipe chinoise, et on a. FlyQuest, euh, l'équipe avec Dexter, Liaz, etc., les anciens Andretives, des joueurs que vous connaissez très certainement. Et pour euh, la Chine, on a du Taïlu qui est au rendez-vous et Reratom que vous devez peut-être connaître aussi. C'est des pseudos que vous avez dû déjà voir. Très content donc de, de ce parcours-là parce que ça. Ça conclut, même si ce n'est que le début. Euh, voilà, on ne va pas se le cacher, rien n'est fait, mais ça conclut un petit peu l'excellente année que que nous faisons avec 3D Max, avec euh, des beaux parcours en, en Pro League, euh, euh, le titre euh, en Inde. Euh, également, on a été euh, repêché in extremis, et nous avons participé à Cologne, mais malheureusement, on s'est fait terrasser par 9Z. On a fait un très bon match face à Heroic où on a montré des belles choses, mais trop approximatifs, trop d'imprécisions, trop d'erreurs sur, sur la dernière carte face à Heroic où on les pousse dans leur dernier retranchement, mais on perd des 5v3, on perd des 4v2 et tout. Ça a été, je pense, un des. Ouais, je pense le, 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 le pire niveau de 3D Max, alors on montre des bonnes choses, mais quand je dis le pire niveau, c'est dans le sens où les erreurs, les erreurs qui ont été commises, elles ont été grotesques. Et on avait plein de rounds avantagés euh, pour nous. Et on, a, on les a laissés euh, nous échapper. Donc euh, malheureusement, voilà, ça a été une grosse claque, mais une belle expérience parce que euh, aller à Cologne. Et faire ce tournoi qui est considéré comme le plus prestigieux de Counter Strike avec celui de Katowice, bien entendu, c'est quand même une, une, une belle prouesse. On a été aussi, euh, on a réussi à conclure aussi la saison ESL Challenger où on se qualifie pour les playoffs encore une fois. Pareil pour la, la Pro League. Voilà, on fait quand même beaucoup de bonnes choses et euh, c'est extrêmement satisfaisant. L'équipe progresse énormément et j'espère euh, que euh, euh, la structuration du club. Aussi, euh, ça ne dépend malheureusement pas que de moi, je le précise, et euh, je suis très triste un petit peu de cette situation, sachez-le, parce que j'aimerais que les infrastructures se développent tout aussi rapidement que le projet euh, sportif, même si pour le moment, bah, c'est les joueurs qui, qui carient tout ça, et je les en remercie profondément.